bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin92, j'espère que vous êtes tous super bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Several Gaming. Salut à toi. Salut à toi et salut à tous. Est-ce que tu vas bien? Très très bien, en plus avec cette jolie vidéo où on va avoir des gameplays sur le futur sneak peek qui est l'achat de légendaire. Donc tout ça possible grâce à Berkan, je te laisse expliquer un peu le but de la vidéo. Alors en fait, on a réussi à avoir une belle exclusivité parce qu'on a une sorte de version de développeur qui va nous permettre d'acheter des légendaires dans le shop en avant-première, et du coup on avait envie de vous proposer ça à vous mes abonnés parce que vous êtes les meilleurs. Et voilà, en fait tout simplement vous allez voir un peu l'interface et savoir du coup comment on achète les légendaires dans le shop. Mais pour le vrai jeu, puisque le sneak peek est sorti, il faut savoir qu'il y a des conditions pour avoir les légendaires dans le shop. Je vais te laisser les expliquer pour juste savoir un peu, avoir un peu plus d'informations sur ces légendaires dans le shop. Oui, les conditions sont qu'il faut déjà être en arène légendaire, donc au-dessus de 3000 trophées. Cette apparition de la carte légendaire dans le shop sera très très rare parce que c'est une carte qui est extrêmement rare où il faut ouvrir des dizaines et dizaines de magical chests. Donc elle sera, on suppose, entre 3 à 1 mois disponible une fois dans le shop. Donc là on peut voir qu'on peut l'acheter. Donc elle sera à un prix, je pense, vraiment élevé qui sera aux alentours de 20 000 ou 50 000 euros même, je pense, de petite gold. Ah, 50 000 quand même hein. Ouais, je pense, parce que c'est vraiment très rare, parce que par exemple on peut voir Dova qui a fait 600 euros de pack opening pour avoir 0 légendaire. Bah c'est quand même bien de se dire qu'on met 50 000 or et d'avoir une légendaire à coup sûr quoi. C'est vrai que depuis le début de Clash Royale on a remarqué que les légendaires étaient très compliqués à avoir, les openings sont vraiment très compliqués à obtenir une légendaire en fait. Et du coup le prix on sait pas encore, 50 000 je trouve ça un peu excessif. Je pense que ça tournerait dans les 10 000 à 20 000 or, parce que ça commence déjà à faire beaucoup pour un joueur lambda, 10 000 à 20 000 or, hein. Faut le rappeler. Ah, j'avoue, parce que déjà quand on veut avoir une carte légendaire qui a 2 000, faut déjà faire des sacrifices pour moi, donc déjà 10 000, 20 000 ça serait déjà un gros coup, déjà il faudrait déjà gémir quoi, presque, on est obligé quoi. Je t'avoue qu'on peut économiser, par exemple moi j'arrive à économiser genre des 4000 or pour augmenter des cartes rares et ça se fait. Il faut, mais par contre voilà, 10 000 il faudrait commencer à attendre pas mal de temps et 20 000 encore plus, ça serait un peu excessif je trouve. Mais franchement je trouve que ce sneak peek est vraiment une très bonne chose et qu'on ait pu vous partager en plus ces gameplays en live. J'espère que ça vous aura plu, nous en tout cas on était tout contents de les avoir. Merci à toi du coup et à Berkan, hein, il faut le rappeler. Ouais, merci à lui. Et je pense qu'on va se laisser là. Hein. Bah du coup, merci beaucoup de ta présence sur cette vidéo. Pas de soucis, et merci à toi de m'avoir invité. Bah oui, et n'hésitez surtout pas à aller voir aussi la chaîne de Several Gaming qui sera bien évidemment en description. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Tchuss.